Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing du fournisseur Dream Founder Official Store. Donc ce n'est pas un partenariat, hein, ce sont des achats que j'ai faits. C'est un site spécialisé dans le point de croix, donc on retrouve ce vendeur sur AliExpress. Et franchement, j'aime beaucoup parce qu'ils ont énormément de choix. Que ce soit des petits projets, des gros projets, en toile imprimée ou pas, ou en point compté. Donc, franchement, un très grand choix. J'ai eu l'occasion d'en faire déjà quelques-unes et franchement, je n'ai jamais été déçue. Donc là, je vais vous proposer de regarder deux toiles. Donc moi, j'ai déjà ouvert le paquet, j'ai déjà regardé. Hein, mais hop, je sors ça maintenant. Ben voilà, on a regardé. La première, donc c'est du Dream Pattern Cross Stitch. Un petit lapin sur une branche. Voilà, j'ai trouvé vraiment très mignon. Donc c'est du 14 CT. La toile, elle fait 29 par 27 cm. L'image en elle-même, 22 par 20 cm. Donc on va regarder ça tout de suite. On va déjà regarder le patron, ce que ça donne. Donc c'est sur du papier glacé. Hein. Voilà. Voilà, sur les deux faces. Donc on voit, hein, sur ce modèle, il y aura pas mal de points arrière. En toute franchise, le point arrière, j'aime pas. J'aime pas tout ce qui est préparation et finition d'un projet. En général, c'est pas ce que je préfère. Mais franchement, c'est ce qui met beaucoup de valeur. Enfin, voilà, les finitions, ça donne un rendu vraiment super. Donc, il faut le faire. C'est comme ça. Mais bon, voilà, là, ça sera quand même. Bon, y en a pas mal, mais ça sera quand même assez simple à faire. Hein. Donc voilà pour le patron. Maintenant, on va passer donc à la toile. Hein. Alors, ce qui est bien, c'est que la toile, elle est surjetée. Voilà, donc c'est un petit projet, hein, qui sera pas très très long à faire. C'est assez bloc, comme vous pouvez le voir. Donc sur cette toile, on a 15 couleurs. 15 couleurs. Voilà, donc j'ai mon chat qui veut venir voir ce qui se passe, comme d'habitude. Hein. 15 couleurs et au niveau du backstitch, donc une couleur, ça sera du noir, hein, le 310. Donc cette toile, je vous mettrai le lien dans la description, mais vous pouvez la trouver donc chez le vendeur Dream Founder Official Store. Ah, excusez-moi pour mon anglais, hein, franchement. Donc au prix de 5 euros. 36. Voilà, au prix de 5,36 €. Donc en plus, faut savoir, sur AliExpress, on a possibilité d'avoir des coupons vendeurs. Donc parfois, ça permet de faire baisser un peu le prix. Et les fils. Voilà, donc on a dit 15 couleurs. Donc c'est des couleurs assez claires en fait, hein. Et c'est fourni donc avec deux aiguilles. Voilà pour ce projet. Je vais vous montrer le deuxième. Donc le deuxième, c'est un fournisseur qui est très connu. Excusez-moi, je viens de bouger le pied. Joy Sunday. Donc j'aime bien aussi, hein. J'aime bien aussi Joy Sunday. La seule chose négative que je pourrais dire, en fait, c'est que sur deux projets que j'ai fait de chez Joy Sunday, il m'a manqué un peu de fil. Donc il faut vraiment faire attention bah, comment on utilise le fil, hein, pour pour pas le gâcher. Voilà, donc un petit chien dans la main. J'ai bien aimé, en fait, dans ce style-là, j'en ai trouvé 5. Donc moi j'en ai acheté 3.
Dans une autre vidéo, bah, je vous montrerai. J'ai acheté le chat dans la main, qui est tenu dans la main, et aussi un petit hamster dans la paume. Je les ai vraiment trouvés mignons. Et je sais qu'il y a donc un autre chien, je crois que c'est un bulldog, et un raton laveur. Mais ces deux autres modèles, je ne pense pas les prendre. Alors, on va regarder. Ce qui est bien, voilà, c'est que dans le sachet zip, hein, on peut après bien ranger ses affaires. On va commencer par la toile. Voilà, c'est ce qui vient en premier. Voilà la toile. Donc la toile, elle fait donc 26 par 20 cm. Et l'image, elle, donc ça sera du 19 par 15 cm. Donc au niveau du point de croix, vous voyez, hein, ça sera assez réduit. Hein, le plus gros du travail, bah, ça va être le backstitch. Et donc sur cette toile, on a 17 couleurs. 17 couleurs, je vous les montrerai ensuite. Hein. Et par contre, pour le backstitch, nous avons 6 couleurs différentes pour le backstitch. Donc en fait, tout va se faire à ce niveau-là. Hein, parce que je vais vous montrer après le patron. Hein, vous allez voir, c'est pas mal de travail au niveau du backstitch. Mais encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, hein, ça permet un rendu, voilà, qui ça rehausse. Hein, ça rehausse la. Comment dire, le rendu du projet. Donc voilà pour la toile. Et là, le patron, donc toujours sur du papier glacé. Là, vous voyez le backstitch, hein, en fait, qu'il va falloir faire. Alors, est-ce que c'est sur deux parties ou trois? Oh oui, ça c'est dommage, on a un petit bout, un petit restant, voilà, de l'autre côté. Ils n'ont pas réussi à mettre ça sur une feuille, ça aurait été mieux, mais bon, c'est pas bien grave. Et donc au niveau des fils, donc voilà les couleurs, hein, ce sera plus dans les tons marron. Voilà, du marron, du gris. Différentes teintes. Moi, je pense que je vais adorer, hein, le faire, hein, franchement, même si le point arrière, c'est pas mon truc, mais je le fais quand même. Je le fais quand même, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein, sinon, il faut prendre des projets où il n'y en a pas. Hein. Donc voilà, je vous montrerai une fois qu'il sera fait. Ça ne sera pas pour tout de suite, hein, parce que là, j'ai déjà 2 en cours. Donc ça ne sera pas pour tout de suite, mais j'ai quand même hâte de le faire. Et donc cette toile, vous la trouvez au prix de 4,93 € sur AliExpress, le fournisseur Dream Thunder Official Store. Donc je vais vous remettre les liens dans la description. La dernière fois, j'ai réussi à le faire, donc normalement, je devrais réussir cette fois-là encore. Et voilà, donc c'est ma deuxième vidéo. Je suis un peu mieux équipée grâce à mon fils, hein, donc que je remercie. Puisqu'il m'a acheté le matériel nécessaire pour pouvoir faire des vidéos. Donc bon, ben voilà, on va s'améliorer encore au fur et à mesure, hein, il n'y a pas de souci. Mais si vous pouvez m'encourager, peut-être en me laissant vos commentaires, me dire ce que vous avez aimé, pas aimé, dans le but, voilà, que je puisse m'améliorer. Voilà, ça serait très sympathique de votre part. Je vous remercie par avance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.